Jet Set. Jeu indé. Ah, c'est un jeu indé. C'est cool ça. Ok. Voilà, donc j'ai changé les modifications. Normalement, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse sur le modifi. Voilà, et gros titre. Jet Set Radio, c'est fini. Je pense que ça va beaucoup plaire à Nibbler et Petit Cancanou, surtout. Je pense que c'est exactement le genre de jeu en fait, auquel on devrait jouer pendant la Saint-Valentin. Donc c'est exactement le bon jeu, je pense, pour aujourd'hui. Du coup, je vais mettre le 1, parce que vu qu'on compte le finir, comme ça m'éviterait de le garder. Et je vais mettre le 1. Picouniku, 1, Chipstream. Dane. Qui n'est plus un Chipstream, d'ailleurs. Et on va fermer ça. Et mettre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Retour au menu principal. Et du coup, pack, on quitte ça. Je mets juste vite teuf la musique. Voilà, on la met à donf. Voilà, et du coup, je peux jouer avec la manette, et ça, je suis très content. Alors, j'avais testé pour pouvoir vérifier les overlays, donc je m'en fiche de... C'était que le début. Je m'en fiche un peu de... Bonjour! Bonjour, petit bonhomme. Psst! Ok. Approchez! J'ai quelque chose pour vous. Alors, je sais pas faire les voix. Hein. Envie de savoir ce que c'est? Je veux bien de l'argent gratuit. Je crois que je vais bien aimer la musique. Bah, donne-nous de l'argent gratuitement. Oui, je veux de l'argent gratuit. Ah, la musique. Je vous laisse savourer, hein. Nibbler, tu me dis si c'est trop fort? J'ai l'impression que ça crie dans mes oreilles. Je pense que c'est un peu le cas, je vais un peu baisser de tête. Alors attendez, hop. On va mettre à 65, c'est bien. C'est un peu mieux, non? Ah non, la voix là, alors on va mettre à 50. Oui, là on est bien. Ok. Regarde un peu vite fait parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai reçu des messages concernant le GDR. Excusez-moi, 4G, 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 vous êtes là? Qu'est-ce qui bug aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Bon, je sais pas pourquoi je reçois pas. Sollicitations non voulues sur Instagram. Je suis sûr que vous devez avoir un tas de bricoles qui ne servent à rien dans votre ville. Ça prend pas mal de place. Alors, peut-être un chouïa moins. Et là, c'est mieux ou pas? Au niveau du son. Parce que moi, je suis à donf, là, en fait. Au niveau de la musique. Ok. Je vous enverrai, mais... Alors, excusez-moi, parce qu'il y a la caméra qui commence à me boucher la vue. Je vais la déplacer un petit peu. Hop. Et je vais mettre du coup ça de ce côté-là, le chat, merci. Ok. C'est nickel. Je vous enverrai mes robots et ils vous débarrasseront de toutes ces, de tous ces trucs. J'ai l'impression que c'est Monsieur Robotnik. Je connais cette histoire. Vous allez envoyer des robots et après les robots ils vont devenir fous. Vous n'avez absolument rien à faire. Ouais. Et ce n'est pas tout, ils vous donneront même de l'argent en échange. De l'argent gratuit. J'aime bien cette phrase. L'argent gratuit, je trouve ça rigolo. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec mon 4G là? Mets-toi à jour, wesh. Ah, mais en fait, j'avais déjà vu tous ces messages et pour ça. Ok. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors faites confiance à ce type. Vous pouvez me croire que c'est de l'argent gratuit. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Alors la prochaine fois que vous voyez l'un de mes robots, vous deviendrez riche en un clin d'œil. Ouais. Oui, je sais, c'est ça, on me le dit souvent. Ce qui est totalement faux. Excusez-moi, j'ai fait un clic, un misclic.
Ah, c'est dommage que ça coupe quand je fais de l'aller-retour, parce que si je réponds au chat, bon, je vais répondre à l'oral. Bon, ça commence déjà bien, parce qu'on dirait que je suis mort, parce que je suis la petite patate rouge. Bonjour. Ah, tu es... Oui, je suis... Oui, je pense que je suis réveillé. Est-ce que tu peux bouger? Alors, attendez. Petit mouvement, et voilà, j'ai des pattes. Trop bien, et je peux sauter. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a moyen, ouais. Attends. On peut jouer avec la balle. Petit pas, passement de jambes. Passement de jambes. Passement de jambes. Ouais. Petit match de foot. Dans la chambre. Tu joues avec moi la balle, au ballon? Ouais, je crois que je crois que savoir qui tu es. Tu es un robot. Ah, tu es un fantôme, excusez-moi, je pensais que si vous étiez un robot, monsieur. Bon, on passe par là. Alors. Donc du coup j'ai fait un peu le début, hein, voilà. Le but c'est. Le but de mon style de jeu, c'est de mettre des coups de pied, hein, je précise. Voilà, comme ça, petit coup de pied. Ou la technique du saut constant. Parce qu'on a joué à Jet Set Radio, donc du coup, clairement, on sait faire un coup de pied. D'accord, bonjour. Alors, les petits yeux. Est-ce que vous avez regardé les petits yeux? C'était vachement bien. Et là, on peut, je crois, sauter. Bon, ça me fait rire pour rien, mais. Voilà, je suis très fan de ce genre de jeu en fait. Très minimal, j'accepte volontiers. Ok. Oh, c'est trop bien, la goutte s'est arrêtée sur ma tête. Alors par contre, la musique, je sais pas si vous avez remarqué, mais la musique est aussi minimale que le jeu. Alors, non, ça c'est pas bon. Fais attention. Ça n'a pas l'air fragile. Ça n'a pas l'air très robuste. Oui, c'est un peu. C'est un peu des plateformes. Mais ça va. J'y ai joué. Ça va. À ce genre de jeu. Bim, bim. Et là, du coup, on revient ici. Ok. Bah, on va faire dans l'autre sens, hein, écoute. Aïe aïe aïe. Ah, le petit bruit. Vous avez entendu ce petit bruit aussi? Petit bruit de conserve. Sois prudent et envoie-moi des cartes postales. Et je crois qu'on est sorti de la caverne. Alors, donc, regardez bien mon style de jeu parce que là, ça s'inscrit tout à fait avec la manière dont je vais jouer. À base de coups de pied dans tout. Bonjour, danger, ne pas ouvrir la porte, monstre endormi à l'intérieur. Je suis pas un monstre. Nous on aime bien les fleurs. On va juste donner des coups de pied dans les fleurs en haut. Parce que j'aime bien. Voilà. Il faut un objet, j'ai l'impression. C'est une sorte de candélabre. Alors un candélabre, hein, terme très vieux, plus utilisé du tout. Alors ça c'est bien un truc. De vieux, je sais pas si on peut dire vieux actuellement. La petite caverne cachée. Oh, la petite mythe qui danse, c'est trop bien. On peut donner des coups ici. Oh! Oh! Alors là, je m'attendais pas à ça. C'est trop mignon.
Alors, je crois que j'adore les arbres, du coup. Parce que ça... Oh, il y a un épouvantail et un petit oiseau aussi. Bonjour, l'oiseau. Salut. Coucou. Bonjour. Quoi de neuf? Salut, salut. Salut. Comment ça va? Eh bien, bien, on picore tranquille. T'es posé dans ton bendo, mec. Et l'épouvantail? Oui, bah ouais, une bonne question. C'est lui qui a l'air d'avoir peur de moi. Oh, petit épouvantail, t'as peur de... T'as peur des oiseaux? Pars, pars! Alors, on va lui demander comment ça va. Bien, bien, on picore tranquille. Super, picore bien. C'est trop chou, ouais, t'as vu? Bonjour les oiseaux, coucou les oiseaux. Bonjour, bonjour, bonjour. Quoi de neuf? Salut! Alors, ils sont plus tous tout à fait amicales. C'est incroyable. Bon, on peut pas toucher ça là, donc du coup. D'accord. Cassage de fleurs. Ah bah non, on peut pas. Pourquoi je sens mal ça? Du coup, je me cache ici. Je ne suis pas là, revenez plus tard. Ah, je t'ai eu! Je m'en doutais que c'était un piège. Oh, c'est quoi, c'est... Bonjour? Je te jure que j'ai entendu un bruit. Alors, excuse-moi, il y a la petite caméra qui m'empêche de voir. Excuse-moi, tu peux te déplacer un petit peu? Merci. Qui vient des champs? Bon, la caméra, là, tu n'es pas très bien placé, je trouve. Pour les discussions. Ah, ne t'inquiète pas, ce n'est sûrement pas les oiseaux. Je ne sais pas, on aurait dit un clac. Comme le bruit du monstre qui vient te dévorer. Oui, mais c'est peut-être moi, hein. Rigole pas avec ça. Il pourrait être tapis dans les champs, prêt à nous sauter dessus dès qu'on aura le dos tourné. Mais je suis pas un monstre, personne n'a jamais vu le monstre, je suis sûr qu'il n'existe même pas. Donc eux, ils ont un village. Bien entendu, nous, on préfère les oiseaux. Mais... Vous avez entendu que j'étais un monstre et du coup vous vous enfuyez les oiseaux? Et l'amabilité? Ah, donc je suis un monstre, ok. C'est le monstre, ok, bonjour. Fais quelque chose. Ah, je vais devoir me taper? C'est un jeu de combat? Ah. J'étais enfermé. C'est les barbes à papa en fait, ils ont tous une couleur différente. Il y a quand même... Ah, c'est moi qui ai cassé le pont. Oui, c'est vrai que j'ai cassé le pont. Que fais-tu ici? Je ne sais pas ce que je fais ici. Oh, ok. J'adore ce genre de réponse. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Tu n'as pas l'air très effrayant. Ne le prends pas mal, mais ne devrais-tu pas être gigantesque et redoutable? Je ne suis pas, même pas un peu. C'est louche. Je lui ai juste dit... Je fais des questions rhétoriques. Hein. Ouais, il n'a pas l'air d'être une menace. Non. Enfin, c'est pas rhétorique du tout, d'ailleurs. Je pose pas de questions du tout. Il ne ressemble pas à un monstre, si vous voulez, mon avis. Mais notre pont est cassé à cause de toi. Si on ouvre la cage, tu nous aideras à la réparer. Voilà. Je vais essayer quand même. Donc il faut que je répare le pont. Ouais, non, mais t'inquiète, hein. Vous restez comme ça ou pas? Parce que vous êtes grand. Oh, il y a une mouche! Bonjour la mouche. Si je plisse les yeux, tu ressembles un peu au monstre de la légende. Peut-être que c'est vraiment trop après tout. Dansons le tango. Excusez-moi, j'ai fait l'air béat. Ah, on peut. Je pense qu'on. Mais je pue la mouche. Pourquoi tu me suis? Faut que j'aille réparer le pont. Je peux pas me poser là. Ça a l'air bien ici. Genre. On visite, hein, c'est le village. Je ne te fais pas confiance. Oui, bah c'est normal. Yo! Et bah, vous avez entendu le yo? J'adoube ce jeu. Je ne te fais toujours pas cette confiance. Ok. Bon, du coup, il faut vraiment que. Ah, j'ai cru que t'allais tomber. Dommage. Ah, tu finis de réparer le pont, on ne peut plus accéder à nos champs. Tu sais ce que ça veut dire? Le robot ne reviendra plus. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'argent.
Ah, vous êtes sous emprise capitaliste, vous, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'elle a la mouche là, la chmou? Ah, peut-être que la chmou. Oh, je peux prendre ça? J'ai trouvé une pomme! Excusez-moi, hein. Moi c'est. Je suis totalement comment on dit, premier degré. Je suis pour les pommes. Waouh, c'est bien ça. Désolé, tu ne peux pas passer. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? C'est une bonne question. Il y a des oiseaux sur le câble, je ne peux pas lancer le téléphérique tant qu'ils sont dessus. Bah écoute, faut qu'on se débrouille pour chasser les oiseaux, tout simplement. Du balai. Je crois que je suis filmé. Qu'il faut casser cette CCTV là, cette oh, make it rain. Je sais pas pourquoi je pense que c'est le méchant. Alors comme ça, c'est toi le monstre. La légende ne te décrit pas du tout comme ça. Hein. Comment tu m'imaginais? Je ne sais pas. Géant, poilu, plein de dents, un monstre. Okay. Laisse-moi tranquille. Bon, je crois qu'ils vont pas, ils ont pas envie de m'ouvrir tant que j'ai pas fait le travail. Est-ce que je peux tomber dans le puits comme dans tous les jeux? Oui! Oh, il nage sur le dos! C'est trop bien! Il y a la chmou qui est toujours là d'ailleurs. Non, mais nous on veut. Nous on continue, nous. On aime bien nager. Et il nage sur le... Et il fait du crawl aussi. Avec les pieds, mais il fait du crawl. Ah, faut que je donne des pommes. Je vais poser une pomme. Faut que j'aille chercher 3 pommes. Je crois qu'on va. On va incantater quelque chose. Hein. On est à la base de tout. Je pense que. Je pense qu'on est. Oh. Oh, j'apprécie ce genre de petite image où tu es dans un seau et on voit que tes yeux. C'est trop bien. Bon, allez, il faut qu'on trouve des pommes. Comment qu'on fait pour aller vite? Ah oui, c'est comme ça. Mais là, il y a déjà un champ ici. On pouvait pas survivre avec ça. J'imagine que non. Bon, c'est où les pommes du coup? C'est vous les oiseaux qui vous pouvez m'aider ou pas? C'est vous qu'on trouve les pommes? Alors nous on est plus dans la contemplation que le jeu en lui-même. Hein. Vous avez dû remarquer. Pour l'instant on cherche une pomme mais on en a trouvé qu'une. Hein. On en cherche 3, ce qui est déjà compliqué. Alors déjà là, il n'y en a pas. Est-ce que là-haut, il n'y en avait pas non plus. Et dans la grotte, il n'y en a pas non plus. Comment je fais? On va continuer tout droit, on fait comme... Comme c'était prévu. J'adore quand il ouvre les yeux, parce que c'est trop haut. On aurait dû avoir ça dans le Jet Set. La chmou, elle est pas... Ah! Bonjour, madame la... Vous êtes revenue? Salut! Pourquoi m'as-tu réveillé? Il faut que je répare ce pont. C'est toi qui as cassé ce pont? Oui. Mais enfin, pourquoi tu l'as cassé? Débrouille-toi tout seul. Mais non. Alors, c'est pas moi, là. C'est pas moi. Non. Eh bien, si tu étais une araignée comme moi, tu pourrais probablement arriver à un coup de toile. Mais comme ce n'est pas le cas, bon courage. Ah, faut que j'aille chercher le... Ok. Donc, faut que je répare le pont. Faut que je puisse récupérer les pommes. Le candélabre. Le candélabre, faut que je donne à la fleur. Les pommes, au monstre, enfin, au truc en fer, en rocher plutôt, dans le puits. Et il faut que je récupère aussi, bien entendu. Est-ce qu'on peut monter là? Il faut que je récupère, bien entendu, le déguisement de chmou, là. Enfin, de chmou. Je pense qu'il y a un déguisement d'araignée ici. Mais. On va continuer, on va chercher un peu. Je pense qu'on peut trouver de. J'ai essayé de donner un chassé
à la caméra, mais ça m'a rien donné. Je vais sauter d'ici, on va voir si on y arrive. Presque. Ah! On a débloqué quelque chose. Ouais! Et un bouton. Oh, c'est pour monter. Ouais! Salut! J'ai réussi à en faire fuir une. Mais qui est repartie. On va rentrer là. Oh. Non, j'ai tout cassé. Quoi? Ah bah super, hein. Super pour ma table. Génial, merci bien. D'abord, tu défonces ma porte, puis tu rentres comme si tu étais chez toi. Et maintenant, le thé est fichu. Bah désolé, faut que je fasse du thé. La seule chose qui me rendrait le sourire, ce serait que tu joues à cache-cache avec moi. Essaye de me trouver. T'es ici? Il est là? Il est pas dans cette salle, hein? Bon, bah, il va falloir que je donne des coups à tous les rochers, j'imagine. On peut pas sauter sur ça, j'imagine. Oui, non. La chmou, elle me suit, hein. Est-ce que ce serait pas elle, le monstre? Là, il faut que je me débarrasse de ça. Est-ce que je peux sauter? Non, je peux pas. Alors, je vais essayer d'aller juste au-dessus. Voilà, non, peut-être pas en haut. Faut que j'aille en bas. Voilà. Est-ce que là, je peux faire quelque chose? Non. J'ai essayé. J'ai un peu du mal à savoir où je pourrais aller. Déjà, il faudrait que je trouve le rocher. Bon, on va regarder si on trouve d'autres. Mais... Chasser! Excuse-moi, je t'ai tapé sans faire exprès, c'était pas voulu. C'était pas du tout voulu. On peut monter là, j'ai l'impression. Ah oui! Ça pique ça par terre, hein? Est-ce que c'était à faire? Ah! J'ai rien fait à tes enfants. Mais non, je voulais pas, monsieur l'oiseau. Je crée que des problèmes actuellement. Désolé, petit oiseau, d'avoir libéré tes enfants de leur coquille. Bon. Je crois que je suis définitivement un monstre. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Nibbler. Et là, du coup, la chmou a disparu à côté, mais c'est... Mais on a la même discussion. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais je voulais pas, en fait, à la base. Et la chmou, elle revient. Je pense qu'elle aime pas les araignées, mais je suis pas sûr. Bon, on va revenir là où on était. Est-ce que c'est toi? Non. C'est toi? Non. Non, je crois que j'ai bloqué la porte. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que dans la grotte, il y a des trucs. On va regarder. Bon, de ce côté-là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a aussi de l'autre côté des nuages, parce que là, on a fait chier le petit oiseau, mais... Enfin, le petit. Un peu grand. Bon, on va voir le fantôme, on va voir ce qu'il nous dit. Trouve un moyen de réparer le pont. Donc du coup, est-ce que ici, par exemple, il pourrait y avoir notre gars déguisé, là, caché? Est-ce que t'es quelque part par là, Non? Non?
Mais pas aller jusqu'en bas, si. Je sais même plus. Si. Non. Bon, c'était pas lui. Mais de toute façon, ça c'était cassable. Est-ce que c'est toi? Bon, on va rester sur le côté gauche. Bon, là, on peut rien faire. La chmousse, c'est la monstre, je suis sûr. Bon, c'est pas ça. Donc là, c'est là où j'étais. Ça, c'est ma chambre. La chambre du fantôme, j'imagine. Oui, parce qu'il y a ses habits. Pourquoi il m'a réveillé, du coup, le fantôme? C'est lui le méchant ou... J'étais une pierre rouge avant. Maintenant, je ne le suis plus. C'est un... Je sais pas où on va aller, hein, mais... on y va. Bon, du coup, on n'a pas trouvé d'autres pommes. Ce qui paraît très étrange, déjà. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, au final. Ça ne l'est pas. Après, c'est un jeu, c'est normal. Donc là, il n'y a rien. On remonte, hein. Je vois pas où on peut aller. On peut essayer, on peut réessayer par là. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de plus. On va regarder s'il y a notre petite mythe qui danse. Non, elle n'est point là. Mais la chmou, je comprends pas. Est-ce que je peux monter sur sa tête? Non, même pas. Donc là, elle disparaît parce qu'il y a l'araignée. L'araignée me parle pour me dire que c'est à cause de moi. Peut-être qu'il y a des rochers en bas, remarque. Non, pas de rochers. Je suis sûr qu'on peut monter tout en haut. Ouais, on peut. Voilà. Du coup, il n'y a personne qui est ici. Ça, c'est un rocher. Ah! On a trouvé un des oiseaux, il est là. Attends. Ta mère veut te voir. Pourquoi? C'est vrai qu'on ne parlait plus trop dernièrement. Le mec, il s'est barré. J'avais besoin de temps pour me retrouver. Mais ouais, mais bien sûr. Bon, on se voit là-bas. Merci. Ok. Ah, il va faire... Bah oui, c'est toi. Encore, encore. Ah, faut que je trouve encore. Il est rond, un peu, hein, notre ami Rocher. Il n'est pas vraiment carré comme les autres. Bon, déjà, ça commence à... On commence à trouver des choses. Ah, le deuxième. Ta mère te cherche. Arg, mais pourquoi elle ne me laisse pas vivre ma vie? Tu viens de te lever, wesh! Bon, bah voilà, comme ça c'est fait.
Il y a un cadeau là-bas, donc on va aller voir le cadeau. Bonjour le cadeau. Oh, un picou marcheur. Merci. Alors ça, c'est pareil. La même chose qu'avec les arbres, j'adore. L'histoire du nuage caché, enfin le picounicou caché derrière le nuage, c'est fabuleux. Il m'en faut peu, hein, quand même. Bon, bref. Ouais, ils sont rentrés. Les enfants sont revenus, merci de les avoir amenés, même si je ne te remercie pas de les avoir perdus. Oui, je ne casserai plus de fouet. Oh, merci, tu m'as donné une pomme. Du coup, il faut vraiment que je finisse le rocher aussi. Ok. On descend. On va donner la pomme direct. Est-ce qu'il y a un rocher rond quelque part dans le coin? Non. On va descendre, on va voir en bas. Ah, j'y étais presque à enlever de tous là. Il est pas rentré chez lui. Ça, c'est les bonnes blagues que j'aime bien, mais le truc, c'est que est-ce qu'il est déjà rentré? Non. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il a des photos de lui. Ça, c'est bien. C'est rassurant, on peut le retrouver, quoi. Excusez-moi, je m'attendais pas à ce que ça fasse du bruit. Et je m'épate. Oui, c'est mieux. Mais là, je suis en mode tout doux. Ah, il est là. Haha. Faut que je retrouve Alors, il s'est encore caché. Bon, on va descendre. Ouais, Nibbler, mais c'est trop bien comme jeu. J'adore. Voilà. On est sans doute peut-être le méchant, mais si à la fin on est en train d'invoquer Cthulhu, tu vois, c'est triste. Parce qu'en ramenant des pommes, ça se trouve, c'était invoque Cthulhu comme ça. C'est triste. Mais pour l'instant, là, je suis content. Il y a plein de petites images que j'aime bien. Du coup, je suis un peu genre en extase surtout en plus. Ce qui est bien, hein, comparé à Jet Set Radio où à la fin j'en pouvais plus juste. Mes yeux sont partis, ils sont morts et après ils sont revenus parce que j'ai dû remettre mes yeux en face des trous en regardant un peu les informations. Ça c'est pas ça, il est pas carré comme ça. Lui il est rond. C'est un vrai galet. Oh elles ont récupéré leur. Bah dis donc. Je reviens tout à l'heure. Ça c'est speedrun style hein, tu fais la boule tu sursautes, bim, hop, voilà, hop, speedrun, bam, bam, speedrun, bim, ouf, tu fais des tricks là, parcours comme ça, bim. Je sais pas quelle heure il est. 17h, je suis perdu dans le temps grâce à Piconico. C'est pas lui. Bon, on va aller de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il est de l'autre côté. Bah, tu veux sauter avec moi? Il avait l'air de vouloir sauter avec moi, lui. Est-ce que je peux descendre en bas? Oui, je t'ai trouvé. Ouais, je suis ami avec un galet. Je suis trop content. Oh,
suis gentil. T'es gentil avec moi parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à casser des ensembles de théières, spécifiquement les couvercles. Je suis reconnu pour ça à travers le monde. Moi, entre autres avec les miroirs. Je suis très fort à ça. Aussi. Peut-être pour ça que j'aime bien les trucs un peu mignons, c'est que justement, je suis pas très doué avec mes mains, de temps en temps. Tout ce qui concerne les choses transparentes, je crois. Ok. Je suis trop heureux de jouer. Trouve un moyen de réparer le pont. Comment as-tu atterri ici? Si ça devient trop difficile, je peux te sortir d'ici, mais attention, si tu reviens, tu devras recommencer depuis le début. Non, me téléporte pas. Pas de soucis, bonne chance à toi. Ok. Ah, c'est un niveau. Appuie une fois en l'air pour te suspendre au crochet. C'est compliqué. Ok. Aïe! Bon bah voilà. Ouh là là. Ouh là là. Comment je fais pour aller là-bas? Sans mourir. Ah si, faut que je me pose juste avant. Je peux pas l'avoir. Ah oui, il y a un temps, d'accord. Ok. Ok. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire comme ça, mais non, pas du tout. Bon, c'est bien. Ah! Trop court! Bon, c'était mignon jusqu'à ce qu'on arrive avec des pics, hein! Et voilà! Bon, bah, là, c'est pas assez de vitesse prise. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un bouton, là. Ok, faut aller vite. Bon, c'est pas grave, on n'a pas de vie, hein. Je m'attendais pas à ce qu'on arrive à ce style de jeu. Ah, parce qu'en plus, ça se lâche tout seul. Mais j'ai pas de chapeau. Et c'est pas moi. Ok. En tout cas, je gagne de l'argent gratuit. Sans utiliser les robots. Remarquons-le. Faut pas que j'appuie sur le bouton. Ah si. Ah oui, d'accord. Ok, je crois comprendre qu'il faut que je le pousse. Non, je pense que c'est la balle qu'il faut mettre. Non! Je vais mourir. C'était pas vraiment ça. Par contre, je peux peut-être pousser la balle. Pas vraiment. Donc ça change pas grand-chose. Mais du coup, je pense que clairement, il faut la mettre au début. Je pense, pour pouvoir la pousser. Mais je sais pas si il y aura assez en fait de vitesse. Allez, jongle. En fait, si c'est ma tête, ça peut fonctionner. Mais il y a une histoire. Ah! Faut que elle puisse appuyer sur le bouton, je crois. C'est peut-être un truc dans le style. Voilà. Appuie sur le bouton. Ok. Donc là, il y a un truc qui est en action, c'est bon. Il faut le deuxième. Le deuxième est là. Donc, petite balle 2.
petit contrôle, contrôle, contrôle. Voilà. Et donc là, c'est bon aussi? Ok. C'était plus simple que je pensais. Je pensais qu'il fallait avoir autre chose que... Voilà, donc on a de l'argent gratuit. Non mais en fait non. Non. Je vais faire la faute au bout d'un moment, donc on ne me dit rien. Oh! J'ai bien fait de me déplacer comme ça. Wow! Calmez-vous. Non, mais t'inquiète, on continue. Hein. Pour l'instant, ça va. Ah non! Fallait pas que je fasse... Fallait... Faut monter! Y a un truc caché, là. Oh, je vais jamais y arriver. Oh mon Dieu. Ah si. Non! Compliqué, compliqué. Non, je peux même pas faire ça en fait. Parce que c'est... Hop là. Non! Ah bah voilà, je suis tombé tête en bas. Les doubles sauts, ça n'existe pas, hein, bien sûr. Ah. Non. Voilà, faut que je voilà, déplace un peu. Ah, donc fallait juste que je passe en dessous, en fait. Ok. Ok, un tout petit peu, un peu. Hop. Voilà, ici, ça devrait être bon. C'est beaucoup plus simple que je pense, hein. Au final, je me complexifie la tâche pour pas grand-chose. Mais t'as pas mal Pikuniku, si c'est ton nom. Ça fait. Ça... C'est le boss. Oh. Le masque du monstre. J'ai trouvé le masque du monstre. Et voilà, premier donjon fait. C'était dur, hein. Donc maintenant, avec le masque de monstre, je pense qu'on peut faire croire qu'on est un monstre. Alors du coup, avec le masque de monstre, est-ce que je peux parler avec la... Je peux me faire passer pour une araignée peut-être avec l'araignée. Alors du coup, ouais, c'est là. Super dégaine. Salut! Pourquoi m'as-tu réveillé? Faut que je répare le fond. Non. Mais je suis une araignée, regarde ma tête. Non? Ok. Je vais faire peur à l'épouvantail, on va voir s'il réagit. Il y a ASMR coup de marteau pas loin de chez moi. Bon. Me voilà un monstre caché dans... Bon, définitivement... Ah si, c'est pour faire peur aux oiseaux, j'imagine. Mais pourquoi les oiseaux, là, ils ont pas peur? Bon. On enlève notre chapeau. Nous nous préférons au naturel. Mais tout à l'heure, l'araignée. On revient. Mais je crois que je pue vraiment des yep. Pourquoi cette mouche me suit? Je pense pas qu'il faut que je fasse peur aux villageois parce que... À moins que j'aille... Non, parce que si je fais peur aux villageois, je suis pas sûr. Même si je vais au magasin. Ils vont pas apprécier, je pense. Bonjour monsieur, vous voulez danser avec moi? L'araignée, non, j'ai déjà essayé.
Je viens d'essayer en fait, Anubia. Et le truc, c'est que... Bon, on va essayer ici. C'était pas loin. Ah, un cadeau. Bah oui, j'ai trouvé la pierre cachée. Je sais. Voilà, j'y étais presque encore. Je pense qu'il faut que j'arrive d'en haut. Et que je leur fasse peur tous ensemble. Bon, alors du coup, pour l'instant, c'est pas... Les villageois, ils ont pas l'air d'avoir trop peur. Attends, je vais regarder. Non, ils ont pas l'air d'avoir peur. En fait, le déguisement ne les traumatise pas. Pourtant, c'est mon déguisement de monstre. Peut-être que c'est vraiment toi. En plissant les yeux. Ouais, bah oui. Toujours en plissant les yeux. Est-ce que c'est ouvert pour moi spécifiquement? Bon, d'accord. Je ne sais plus quoi penser. Eh bien, moi non plus. Est-ce que j'ai des... Casse-toi! J'essaie de mettre de chasser. Parce que j'ai l'impression d'être suivi. Oui, mais on va y arriver. T'inquiète pas. Il n'est à faire que de temps. Ah, j'y étais presque. En fait, je pense que si j'arrive en haut. Oh là là. Est-ce que tu peux m'aider? J'essaye d'accéder en haut. Non? J'ai essayé, j'en ai... Mais en fait, ils reviennent vite! Ils reviennent vachement vite, en fait. Hein. On va y arriver, tranquillement. En tout cas, eux, quand je suis à côté, c'est bon. Lui, voilà. On va réparer notre pont. Bah, t'es gentil, hein, mais... On va essayer juste de tomber. Ça... C'était pas exactement l'endroit où je voulais arriver. C'était pas le bon endroit. Alors du coup, avec le masque de monstre, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut pas l'utiliser tout de suite. Oh, on peut pas monter sur ce truc? Si je leur fais peur tous les trois en même temps, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que quand je remonte, ils sont toujours pas là? Bon, on va essayer. Au bout d'un moment, on va y arriver. Hein. Faut juste bien calculer son saut. Oh là là. Bon. Oh, 2 sur 3, j'en peux plus. Pourquoi? Mais il y a un autre moyen de passer ou c'est moi qui. Faut arriver du côté de. Peut-être des nuages. En sautant du nuage, peut-être. Bon, on va essayer du côté du nuage pour voir. C'est pas pareil, du coup. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. De l'autre côté. Côté, côté. Ça aurait été beau, mais non. Alors, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, monsieur. On va essayer de sauter d'ici. Ah non, mais c'est vraiment trop loin, là. Dane. Oui, bah, ça, je comprends. Hein. Peut-être de là. Non, mais là, c'est mort. Parce qu'il faudrait que je sois d'ici. Mais ça marche pas. Parce que je suis encore trop loin. Donc du coup, il faut vraiment que je parte d'ici. Bon. Je regarde vite fait. Hein, si j'ai une touche que j'ai oubliée. Deux. Ah!
Alors je vais remonter pour voir si les deux, est-ce qu'ils ont disparu totalement? Parce que je n'ai pas vérifié ça. Sinon, bah non. Avec la costume de monstre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est gentil avec le monstre? Je ne crois pas. Ah! Quand j'appuie sur Y, il... Oui, il leur fait peur. Là, il aboie. Mais en saut, je peux pas le faire. Alors, du coup, il faudrait que je puisse... Je comprends pas comment je peux leur faire peur de là, en fait. Le dernier, je vois pas trop comment faire. Il est un peu loin. Aboie sur l'araignée, pas bête. Ça peut aider. Ou à l'épouvantail. Après, le truc, c'est que... Je pense que je vais faire peur à l'épouvantail. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est lui, principalement la clé de l'énigme, comme on dit. Je suis en train de réfléchir, il n'y a pas grand monde pour l'instant qu'on... Le monstre est un chien. Je dis ça, je dis rien. Alors, bonjour l'araignée. Ça marche pas. Faisons peur à l'épouvantail ou aux oiseaux. Ah, faut que je fasse peur aux oiseaux ici, parce qu'ils sont trop chauds ici. Non, même pas. Oh là là. Alors là, je comprends pas. Qui pourrait avoir peur des aboiements autres que... Mais en fait, il faudrait que je me balade avec un rocher. C'est pas possible, ça doit être ça, cette histoire-là. Comment je passe l'eau avec le rocher? Parce que je peux pas, en fait, au final. Il me faut un rocher. Est-ce que c'est vrai? Je dis la vérité. Pourquoi tu... Nibbler, faudrait que je monte à l'araignée? Comment ça? Mais moi, je suis un joueur honnête. Tout à l'heure, je lui ai dit déjà, et elle me dit ouais, mais il faut quand même que tu trouves. Je sais plus ce qu'elle dit quand d'ailleurs. Elle dit un truc du genre il faut que je répare le pont. Et après, elle me dit ouais, en fait, si t'étais une araignée. Mais elle me voit pas en tant qu'araignée là. Voilà. Vu que je suis pas une araignée, elle s'en fiche. Voilà. Mais regarde, on a à peu près la même tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme ce n'est pas le cas, bon courage. Attends, j'essaie de la boyer d'en dessous. Regarde, je suis une araignée moi aussi. Enlève le Y. Oh! Bien, ce n'est pas toi. Je pense pas qu'on puisse continuer dans le donjon parce qu'on avait fini. Du coup, il faudrait que je fasse vraiment peur aux oiseaux.
en aboyant, mais alors du coup, il faudrait que j'aie mes pattes, il faudrait que je sois dessus. On a déjà essayé de monter directement sur le fil, ça n'a pas marché. Je vais essayer d'ouvrir une porte, on va peut-être voir. Je fais peur aux villageois en tout cas. Je fais peur aux villageois, mais je fais pas peur pour l'instant aux oiseaux. Mais je vais prendre excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Les coups de pied étaient involontaires. Bah oui, non, mais je sais. Mais non, mais. Mais sois sympa avec moi quand même. On essaie de faire quelque chose ici. Mais je veux utiliser cette. Bon, on va utiliser cette pierre-là. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose à faire avec la pierre. Ouais, en fait, ouais. Le pied peut aider, mais le truc, c'est comment je fais pour monter là-haut? Pousse-toi! Bourman va. Oh! Mon bête lui. Pas! En même temps, je ramène la pierre, mais ça va pas m'aider beaucoup plus. Hein. Ok, deux. Mais le troisième, je fais comment? Il est archi long. Il n'y a pas de double saut. Taper dans le poteau, bah non, je crois, vu combien. Non, je fais tomber ma pierre en plus. Tu veux dire taper dans le fil là? En fait, ce qui serait bien, ça aurait été de mettre quelque chose de lourd dedans. Je pense que ça peut tendre le téléphérique. Mais sinon, il y a aussi peut-être moyen de se débarrasser de la fleur. Peut-être que la fleur a pu aider. Je sais pas. J'essaie d'éternuer sur les betteraves. Est-ce que toi, t'as peur? Non? J'ai du mal à. Ah bah tiens, notre pierre elle est là. Est-ce qu'on peut la faire remonter? Bon, on va peut-être pas essayer de remonter. J'ai du mal à capter là où on peut aller. Je vais devoir notre copain la pierre pour voir s'il peut nous aider. Salut Pierre! Tu peux nous aider? Merci, un service à Athénée. Oui, mais ça c'est pas grave. Par contre, il faudra que tu me payes quoi? Les dommages? Ah la table, oh là là, c'est cher. Alors non, le poteau, toujours pas. Mais on va trouver, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour ch chasser. C'est bon, on n'était pas loin, again. Mais je crois que je l'ai déjà fait 15 fois, ça, en vrai. Si je le jette lui là.
Ah, je suis en train de penser à un truc. La pierre, elle bloquait le... elle bloquait l'eau. Voilà, il y a une pierre ici. Donc on va utiliser une plus grosse pierre et on va bloquer l'eau pour pouvoir arroser les champignons en bas. Non mais laisse-moi faire, s'il te plaît. Si je me relève, là il y a le X. Et si je la mets genre bien pile dedans, est-ce que ça bouge l'entrée? Allez, avance. Un petit peu, encore un peu. Voilà. Est-ce que ça bouche l'eau? Parce que s'il y a de l'eau en dessous, c'est de l'ordre du pratique. Ça bouge pas du tout. Ok. Peut-être qu'il faut que... Du coup, j'ai réussi à faire tomber la pierre en bas. Peut-être qu'il faut que je bouche. Non mais. Je suis pas sûr que ce soit la bonne pierre à prendre, mais on va la prendre en plus. Parce que je suis sûr qu'il y a un truc à faire en bas, parce que le trou est trop grand pour que, et il y a une arrivée d'eau, donc logiquement, l'eau m'aidera à les faire fuir, en tout cas. Parce que je ferai en dessous d'eux, et logiquement, bon. Tu vas devoir partir, Patrick. Au revoir. Au revoir. Mais pars! Mais oui! T'as rien fait, je sais. Mais pars, quand même. Voilà, on est bien. Bah! Il a disparu. C'est une strat, hein. En fait, je peux pas lancer la pierre d'en bas. Je peux essayer de bloquer l'eau ici, mais ça a pas l'air de l'aider non plus. Elle a l'air trop légère celle-ci. Tu lances la pierre d'en bas grâce à la propulsion, mais comment tu veux que je fasse ça? Il n'y a pas d'eau ici. Et ça bouche. Bah là, je viens de lancer la grande, elle a disparu quand je suis descendu. Je comprends pas ce que tu me dis, du coup. Je comprends pas ce que tu me dis, Nibbler. Mais on va essayer. Là, par exemple, là, ça bouge pas. Ah, d'accord. Parce que de toute façon, elle a volé tout à l'heure quand elle était en bas. Par contre, on peut essayer de faire un truc. C'est la pierre qui déclenche le bouton. Et ça, on va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, t'as vu, on est d'accord. T'es pas en décalage, t'as vu ce qui s'est passé. La pierre a disparu, la grande a disparu, donc c'est pas la grande qu'il faut prendre. À la limite, c'est celle-ci. Vas-y, mais monte. J'espère que... Non, mais... J'en ai marre de taper des pierres. Monte. Monte, monte, monte. En plus, il y a Patrick en haut, c'est encore pire. Patrick, il est pire. Il est pire que toi, la pierre. Voilà, pousse-toi, Patrick. Voilà. Hop. Donc là, cette pierre-là, elle est bonne. Celle-ci, elle reste. Donc on va essayer de voir si elle peut appuyer sur le bouton. J'espère qu'elle n'a pas recette, la pierre. Et pas remonter là-haut, s'il te plaît. Non, mais non, mais j'appuie sur X, c'est normal. Je suis obligé d'appuyer sur X pour taper la pierre. Est-ce que je peux faire peur aux pierres d'ailleurs? Non, pas vraiment.
Va appuyer sur le bouton. Ça a pas l'air de marcher. Bon, voilà. On aura tenté plusieurs fois. Je pense qu'il y a peut-être un saut genre génial à faire et que j'y arrive pas. Hein. C'est possible. Peut-être que je suis pas quali en plateforme, tout simplement. Mais là, le truc que. En fait, j'ai du mal à saisir parce que le dernier il est très compliqué à voir. Wouah, mais là, le saut là. Il y a un petit décalage de. Je suis en train de me poser la question de si on monte vite sans passer par l'eau, est-ce qu'ils sont toujours là? Ah là là. Tu vois par exemple ici là. Si je arrive à poser une pierre ici et une autre pierre en face, est-ce que ça fait de. Mais je suis sûr qu'on peut donner de la ressource aux champignons et que ce soit plus simple, mais je comprends pas. Là, les champignons, qu'est-ce qu'il nous faudrait à part de la pourriture. Et du coup, le masque de monstre, il sert à quoi? Grande question. Mais non, mais je m'en fiche. Parce que là, le saut, il va pas loin, en fait. Hein. J'y arrive pas et je sais pas comment faire. Donc on va aller de l'autre sens. On va aller essayer de faire peur aux trois en même temps. Parce que je crois que c'est plus ça qu'il faut faire du coup. Parce que là on est un peu plus haut. Mais en fait je vais pas suffisamment loin. C'est pareil. Taper dans l'araignée? Pourquoi je taperais dans l'araignée? Elle a fait quoi l'araignée? Je vais taper dans l'araignée si tu veux. Mais elle est trop petite je crois. Ah, pourquoi tu bouges toi? T'es la seule qui bouge, non? Je suis sûr que les histoires de pierres ça peut aider, mais je vois pas trop comment autre que en les plaçant quoi. Et c'est pareil l'histoire des fleurs, peut-être que les. Enfin bref. Peut-être qu'il faut juste que je ramène quelque chose en particulier. Bon salut l'araignée. Alors je vais essayer de te taper dessus sur mon nibbler. Tu peux enlever ton Y? Oh là là. Ah c'est compliqué hein. Je peux pas hein. Voilà, ça fait du bruit. Eh ben merci à l'araignée, je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça, je pensais pas qu'il fallait être méchant. Salut! Bah merci Nibbler, hein, fallait taper l'araignée. Hein. Je suis officiellement un monstre, hein, d'essayer de se déclarer. Hein. Ouais, j'ai réparé le pont, on va dire. Le peintre. Merci Nibbler, j'espère que t'as pas regardé la solution hein, quand même. Bon, on va dire bonjour à tout le monde. Donc apparemment ils sont contents.
Ah ouais, tu te prends pas la tête, toi, hein? Bonjour. Ah, salut. Où suis-je? Tu te trouves dans le vieux moulin. On y fabriquait notre farine et notre pain. Mais depuis que les robots de Sunshine Inc. prennent nos récoltes, le moulin ne sert plus à rien. On m'a dit qu'ils donnaient de l'argent en échange. Mais peu importe, je suis trop bien occupé à me gonfler les gens. Tu as d'autres questions? Je m'entraîne pour avoir des cuisses en béton pour le championnat de basket. Le basket? Tu connais pas le basket? C'est le sport local, mais tu devrais parler à sa créatrice. Elle habite juste à côté du moulin. Tu as d'autres questions? Où suis-je? Tu te trouves dans le vieux moulin. Mais ça, enfin, on sait déjà. Ok. À plus. Non, mais non! Je clique n'importe où. Pourquoi elle t'énerve? Parce qu'elle était pas sympa avec nous. Alors attends, on va monter sur ta tête, Baskick Guy. Il doit y avoir un truc à faire. Bon, il n'y a rien en haut. J'aime bien cette tête d'oursin. Hein, qui aboie. Bon bah voilà, c'était notre premier villageois, on est très content. Le robot ne devrait plus tarder. Bah c'est bien. C'est moi ou il y a le championnat de basket qui c'est officiel maintenant. Tout le monde là. Ah. Je crois que tu es fan de moi. Bonjour. Le championnat de basket a commencé. Ok. Et tu veux jouer contre moi? Oui. Génial, c'est parti. On va jouer au basket. J'imagine qu'il faut taper. Allez, c'est parti. Un petit match. Tu dois frapper la pastèque et la mettre dans le panier de droite. Et moi, dans celui de gauche. Le premier qui arrive à 3 points remporte la partie. Compris? Oui! Ok, c'est parti! Et voilà! Et que... qui va gagner? Ah! C'est autorisé les coups? Il fout lui! Tiens, tiens, tiens! J'ai l'impression de jouer à Running Man. Ah! Huche, huche! Il y a but là! Oh là là, quelle passe! Le dribble! Non! Oh, c'est but contre moi! Non! Voilà. Je fais de l'anti-jeu, qu'est-ce qu'il y a? Non! Il va le mettre deuxième fois! Mec, il a mis une coude. Mais t'es sérieux là? 2-0. Non mais c'est pas possible. Je suis nul. Voilà, j'ai changé de tête en plus. Bam! C'est plus moi. Changement de joueur. Vas-y, but là! Voilà. Oh là là. J'ai appuyé. Mais non. Non. Oh là là. Contrôle de la tête. But. Voilà. But. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il était dur, hein. Il était dur ou j'étais nul? Je sais pas exactement. Je crois que je suis nul. C'est cool de jouer ensemble. Tiens, prends ça. J'ai pris de l'argent. Non. C'est bon, on a déjà joué ensemble. Merci, hein. Je t'ai battu. Hein. Ouais, comment tu t'ambiances? C'est bien le petit accent que tu as mis, c'était rigolo. Et un petit trophée. Mais ouais, je suis champion de basket maintenant. Officiel! Officiel! Je vais peut-être pouvoir mettre ça. Je vais mettre tous mes trophées comme ça, à vue de tout le monde. J'ai fait à cause de toi. Fate? Ah, mais j'ai la. Mais si tu veux, je me balade avec ma tête. C'est mieux comme ça?
Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Regarde, j'ai la même tête. J'ai juste des jambes rouges. Ça va? Je me balade comme ça maintenant, si tu veux. On va refaire fonctionner ton commerce, t'inquiète. Je suppose que c'est elle la peintre. Et quelque part. Ouais. Salut! Ça ne va pas? J'ai perdu l'inspiration, c'est un désastre. Ma vie est un désastre. On m'a demandé de dessiner un visage pour l'épouvantail, mais il n'y a que les oiseaux qui ont aimé. Et ce n'est pas bon du tout. Ils sont censés en avoir peur. C'est un épouvantail, il devrait les épouvanter, je suis à bout. Et pour contourner le tout, j'ai tout perdu mon crayon. Il doit probablement être à la cave. Tu pourrais aller voir? Bah on va à la cave, si tu veux. Mais viens, on y va ensemble. J'aime bien tes dessins en tout cas. Ah, interesting. Encore un peu. Mais il est un peu gros ton crayon quand même. Ah, j'ai un chapeau crayon. Je peux avoir une tête de crayon maintenant. Trop bien. La dégaine. Si, si. Et je peux piquer. C'est ça? Va tout faire tomber, hein, parce que... C'est moi ou il y a un truc en haut, là? Ah oui, c'est le truc qui fait tomber les... Ah oui, c'est ça. J'ai oublié ma vie. Youhou! J'ai une tête de crayon! Youhou! Je peux dessiner! Trop bien! Bonjour, je suis ici pour dessiner. Bah oui. Tu n'as jamais porté... Ah, tu as grandi dans une grotte, quoi. Très bien, je vais t'expliquer. D'abord, tu appuies sur LB, maintiens-le enfoncé pour naviguer dans ton navigateur, et sélectionne le chapeau que tu veux porter. Quand tu l'as choisi, relâche le bouton et tada, il est sur ta tête. Voilà, on l'a déjà fait. Il n'y a rien dessus, évidemment. Vas-y, essaye de dessiner un visage pour l'épouvantail. Ça ne pourra pas être pire. Faut qu'on aille regarder la tête de l'épouvantail, non? Il a une tête bizarre, un peu. Il est un peu comme ça. Un peu comme ça, non? Et il a des jeux... il a un peu des cheveux. Comme ça. Il a des yeux un peu comme ça. Tout ça, la manette, hein, c'est beau hein, quand même. Hop. Et par contre, il a l'air très gentil. Donc du coup, je vais lui faire des... Voilà. C'est un chef-d'œuvre, je savais. Je me doutais. Je ne savais pas que tu étais si dangereux. Bah ouais, mais je sais. Le visage de l'épouvantail. J'espère qu'il ressemble à ça parce que... Faut que je remplace le visage de l'épouvantail. Bah, ah oui, du coup, de l'autre côté de l'épouvantail. Ok, on va faire ça. Salut! J'ai une tête de... J'ai une tête de... Crayon, crayon. J'ai une tête de... De crayon. De crayon. J'ai une tête de crayon. Désolé, hein, j'invente les chansons, son la musique. Salut l'araignée, merci pour la réponse. Je sais pas comment t'as fait, mais t'es très gentil. Mais oui, il avait la même tête que j'ai fait. Oh. Il est beau mon dessin. Le robot. On a du maïs, beaucoup de maïs. On a passé un marché avec Sunshine Inc. Et toutes les semaines, un de leurs robots vient le récolter. En échange, les robots distribuent de l'argent un peu partout, de l'argent gratuit partout. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Au moins, ça a fait fuir les oiseaux. Tu as fait du bon boulot. Merci. Et je pense qu'on va s'arrêter d'ici peu. Donc, on va aller voir le monde. On va aller voir.
Attends, ils m'ont donné de l'argent là, je crois. Non? Ok. Du coup, on va aller voir du côté des. Mais du coup, là, j'ai le crayon. Pour l'instant, ça me sert pas à grand-chose. Et on va aller voir du côté des... Bon, on va dire bonjour au village et après, je pense qu'on va s'arrêter. Hein. Bonjour le village. Mes très chers amis, ça fait déjà un bon moment que je vous distribue de l'argent toutes les semaines. J'espère que vous en profitez tout autant. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? On adore les surprises. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai installé le siège de Sunshine Inc. à l'intérieur du vieux volcan. C'est un endroit merveilleux, mais c'est dommage que vous ne me fassiez pas. C'est vrai, c'est triste. Alors j'ai décidé de vous offrir une visite gratuite dans le volcan. Je sais pas où. Oh, ça va être moi. Salut Ellie, va voir le volcan, hein. Je pense que tu vas mourir, mais... Au revoir Ellie. Le mec il fait des sacrifices, hein. On le sait, hein, Sunshine Inc. Mais j'ai pas d'argent moi. Et la petite pause là. Ah, la petite pause, vous avez vu, bon, on va aller récupérer la thune. Bon, on peut pas récupérer toute la thune, non, apparemment. Je vais pas essayer pendant 15 ans. Moi, je vais aller juste voir le reste du village. Déjà, je pense qu'on doit avoir un trophée pour la peintre. Donc, on va aller du côté du trophée de la peintre. Hop, la thune, la thunasse. Y a pas de trophée ici? Salut, où est mon trophée? Oui, bah, t'inquiète pas, hein. Tu sais, la créativité, c'est partout. C'est dans toute œuvre que tu veux faire. Salut! Bon, bonjour, toi. Je vais récupérer la thune là-haut d'abord. Et voilà. Et ensuite, je vais aller là. Salut, j'adore les fleurs, j'essaie d'en faire pousser mais ça ne marche pas. Il doit me manquer un ingrédient. De l'eau. Je sais que l'amour c'est bien et qu'on est 14 février, mais là c'est de l'eau. Oui, elles ont besoin d'amour, pas d'eau fraîche. Mais oui, mais elles ont aussi besoin d'eau. Je pense que le fait que tu sois en dessous d'un nuage, ça va ensemble. Je vais parler avec le nuage, hein, ok? Salut, j'ai une tête de crayon, normalement les nuages c'est sympa. Avec les crayons. Enfin, j'imagine que je peux crever le nuage, quoi. Salut, salut. Salut, salut. Youhouhouhou. Il y a de l'argent dans le nuage, c'est bien ça. Je m'en doutais un peu. Je peux pas te donner un coup au nuage. Par contre, il est vraiment juste au-dessus, je crois. Non, il est pas au-dessus. Ok. Faut que je lui trouve de l'eau. Je vais aller te voir du côté de l'oiseau. De l'oasal. L'oiseau. Oh, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Oh, il est trop mignon le petit nuage avec des yeux. Salut les oiseaux, bonjour. Bah ouais, je sais que c'est compliqué, je pense, aussi. Surtout avec des mecs qui cassent les œufs. Bon, je crois qu'on a fait le tour du village, en fait. On va aller voir du côté de Patrick. Ah, on n'est pas rentré dedans, ici. Alors t'as pas vu, mais j'ai dessiné la tête de l'épouvantail. Et ça a fait peur aux oiseaux. Et en même temps, c'est un chef-d'œuvre. Donc je sais pas trop. Le backseek, moi j'aime bien le nom. Le backkick. Oh. Bah je comprends pas. T'aimes pas avoir des...
Il y a quelque chose derrière cette bibliothèque. Alors, non, je veux lire. Bah, le livre 1, La légende du monstre. Un monstre vit dans le monde. La montagne, n'y allez pas. Sérieux. Ok. Et ouais, t'as tout raté. Là, on va voir Patrick. Parce qu'il nous reste que lui, en fait. Ah, il y a des pièces qui sont arrivées. Les oiseaux sont partis. Depuis que j'ai... Fallait juste gérer l'épouvantail, il fallait dire bonjour à la. Alors du coup l'histoire de l'épouvantail, il fallait dire bonjour à la peintre. Comment j'ai dit bonjour à la peintre? Parce que à la base. Oui, avec la réparation du pont, ils ont autorisé la discussion. Et du coup, en discutant avec la peintre, elle me demande d'aller chercher son crayon. Je le porte en tant que chapeau. Et je dessine la tête de l'épouvantail pour faire. Parce qu'en fait, il fait pas suffisamment peur. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, mais moi, je l'aime bien sa tête. Donc, du coup, je fais la même tête. Sauf que ça fait la forme. Et en fait, j'aurais dû faire une sorte de smiley plus pour pouvoir, grosso modo, avoir accès à exactement la même tête. Mais j'ai essayé de faire la même tête. Et il a l'air gentil quand même. Je lui ai fait un sourire. Grâce à mes super talents de Picasso. De Picasso de la tête. Et on traverse enfin. Et on a fait le premier panneau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. 17h58. Je pense qu'on est tout ready là, en plus, pour la suite. Voilà. Donc du coup, on va sans doute s'arrêter ici. Je sais pas ce que vous en pensez. On va s'arrêter là, on va se faire des bisous à base de Luffy Shield Blade en plus. C'était le 14 Saint-Valentin, je pense que là tout de suite je vais devoir faire du JDR. Donc normalement ça devrait s'enchaîner. Du coup. Ah mais le jaune sur le jaune, c'est vrai que c'est un peu bête. Bon, on verra. Faut que je fasse attention aussi à mon détourage, j'ai l'impression qu'il y a du blanc au niveau de la caméra. On verra, on corrigera ça. Et du coup, je vais vous faire des bisous. Et on se capte incessamment sous peu, normalement jeudi, pour la chronologie des femmes artistes. Peut-être avec la caméra, peut-être pas avec la caméra. En soi, la caméra n'est pas très nécessaire pour la chronologie, vu que le contenu est plus important. Voilà, on verra. Surtout qu'on est fatigué en général le jeudi, donc on verra aussi. Et du coup, jeudi 21h, chronologie des femmes artistes, on est au 16. Et Tubestream, donc on continue Picounicou la semaine prochaine à 14h. Jusqu'à 18h apparemment. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Bon courage pour la semaine. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, d'autres qui sont en vacances. Voilà, je ne sais pas à quel moment vous en êtes. Bon courage. Surtout que le froid apparemment ça s'arrête aujourd'hui. Courage, courage, et au revoir.